Bonjour, donc c'est Confiné 1427, et là je fais Description de l'homme, le chapitre donc toujours économie, loto, casino, yo-yo, livraison numéro 4. 57. Quand la manque gagne en jouant avec votre argent, c'est pour elle. Si elle perd trop, bah, elle dépose son bilan, c'est pour vous. On dit alors qu'elle manque, c'est-à-dire vous. Règle, pile tu perds, face je gagne. 58. Règle de base, les profits sont privés, les pertes sont publiques. 59. Que la mer descende ou qu'elle monte, on prend des paquets de mer. Pour éviter l'émergence d'un système rationnel, logique, les hommes sont obligés de mettre leur argent, non-argent, dans des manques, voire raquettes, raquettes, raquées. Merci. 61. Les manques font aussi la manche. 62. Phase de jeu. Quand la mer descend brutalement, il y a crack. On dit aussi tempête, métaphore maritime, ou feu de forêt, métaphore ignée. C'est là, assure-t-on, que des milliards sont engloutis ou partis en fumée. Feu ou eau, l'important est de donner une impression de météo. 63. Le monde est plein de dangers, de catastrophes naturelles. Vous devez apprendre à vous aimer les uns les autres, à vous aimer le danger, les catastrophes, le monde, la nature, les poches qui ont des trous. 64. Les métaphores ont un excellent dos. 65. En vrai, les milliards ne sont pas du tout partis en fumée, mais dans d'autres poches. 66. Quand une entreprise perd, on dit qu'elle faillit, ce qui revient à manquer aussi. Si elle est grosse, grosse, l'entreprise, il y a grand intérêt à nationaliser ses pertes. Comme ça, tout le monde peut payer, voire impôts, austérité. 67. La contribution est exceptionnellement exceptionnelle. 68. Classique phase de jeu. Tu privatises, je nationalise. Tu privatises, je nationalise. Et tu privatises. Quand on nationalise, on rationalise. Chacun met la main à la poche en vue d'un bien commun. Quand on privatise, on vend à quelques-uns un bien commun. Pourquoi ne reverse-t-on pas quelque chose à chacun? 69. Presque tous perdent dans tous les cas. C'est l'alternance économique, politique. 70. L'économie n'est pas économique du tout. 71. Il y a tout intérêt à conserver un État et même à développer des collectivités territoriales, régions, communes, départements du monde. Comme ça, tout le monde peut jouer à payer. 72. La constitution du corps social est exceptionnelle. 73. Autre antiphase de jeu. Quand on produit plus qu'il ne nous faut, surproduction, bah, pourquoi ne donne-t-on pas à ceux qui crèvent? Bah, parce que leur vie n'a pas de prix. Et les prix pèsent plus lourd que leur vie. 74. Leurs corps sont si maigres aussi. 75. Le marché n'est pas du tout unique, hein, tout juste un peu inique. 76. Une surproduction particulière. Il y a quand même une chose que les pays riches distribuent aux pays pauvres avec beaucoup de générosité. Quand il y a guerre, on leur lance et relance des missiles et des bombes tout à fait gratuitement. On observe alors une relance de l'économie, enfin la nôtre. Jeu et 7. 76.1. Cette surproduction-là est aussi une magnifique superproduction. 77. Le marché n'est pas commun du tout, tout juste un peu vulgaire. 78. La main du marché est invisible, indivisible, unique. Le bras du corps invisible du marché n'a pas de tête. 79. Le corps du marché court sans tête. 80. Le marché unique est nécessaire, obligatoire, unique. Il fallait l'avoir inventé. 81. C'est pourquoi, dans son immense sagesse, l'homme, après bien des tâtonnements, pouvoir absolu, oligarchie, loto-casino, démocratie, yo-yo,
on va adopter le seul régime qui vaille, la plutocratie. Non pas la ploutocratie, qui est le gouvernement par l'argent des plus riches, mais la plutocratie, qui est le gouvernement par Pluto. 81.1. Pourquoi Pluto et pas Goofy? Parce que Goofy est un homme à tête de chien qui parle l'homme. Pluto est un chien qui parle chien. Bof. Dont acte. 81.1. L'homme est le seul animal dont la société dépend d'un loto. Pour organiser la société, les hommes s'en remettent à la tenue d'un loto. C'est beau. C'est Pluto. Merci Pluto. À demain. Une surprise demain.